Meghan Markle avait adopté un look printanier pour une réception à l'ambassade d'Australie ce samedi 21 avril à Londres. Meghan Markle se met à l'heure d'été et adopte un look très printanier ce samedi 21 avril. La jeune femme et le prince Harry ont assisté à une réception à l'ambassade d'Australie où le premier ministre australien, Malcolm Turnbull, et son épouse Lucy, ont remis au couple royal les vestes officielles des prochains Invictus Games qui auront lieu à Sydney en octobre prochain. Pour l'occasion, Meghan Markle avait choisi de porter une robe midi en crêpe verte, avec un imprimé floral de la marque Self Portrait. Une robe qui coûte 300 livres sterling, soit environ 341 euros. Afin de ne pas être trop décontractée en raison des épaules dénudées de la robe, Meghan Markle avait choisi d'agrémenter sa tenue avec une veste de blazer noir et des escarpins assortis. Et comme à chacune de ses sorties, la future duchesse fait sensation, mais ne semble pas se soucier du protocole. Le hic dans cette tenue? Son sac, porté à l'épaule. Une façon de porter son sac qui n'est tolérée dans la famille royale. Le 18 avril dernier déjà, l'actrice de Suits arborait un ensemble marin qui d'un point de vue protocolaire n'est pas du tout passé, notamment à cause de son sac porté en bandoulière et sa veste déposée sur ses épaules. Mais question style, Meghan Markle reste au top. Step up.